Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, tu es comment? Oui, je vais très bien chez vous. Ça va? Ah, ok, Dieu merci. D'accord, voilà comme c'est l'heure du rendez-vous. Oui. Voilà, c'est pourquoi je vous appelle. Vous allez vous présenter et puis Ok. voilà. Le nom et le pays. Moi, c'est Igor Kojo, Togo. Ah, ok, Igor. Bonjour. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Oustad Ouattara Ibrahima, je suis ivoirien, donc en Côte d'Ivoire précisément. Bien, voilà, le thème d'aujourd'hui, c'était lequel? On a dit de prendre comment l'homme a perdu son salut et comment le retrouver. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord, moi j'aimerais établir quelque chose avant qu'on commence le débat. C'est les règles, on va les établir ensemble, toi et moi. OK. D'abord, on a combien de minutes pour faire le débat? 30 minutes. Ok, 30 minutes, d'accord. Maintenant, Si c'est trop aussi, tu peux diminuer. non, au contraire, c'est petit même pour moi. Mais comme tu as dit 30, Ah, bon. sinon moi d'habitude quand je fais les débats, je vais jusqu'à 50 minutes à 1 heure de temps. Hein. Voilà. Ah bon, quand ça, au moins quand ça a géré, d'où on peut continuer. Quand les arguments manquent, on peut interrompre et puis reprogrammer un autre jour. De toute façon, on est ensemble. Moi, mes arguments ne peuvent pas finir. Vous voyez, c'est Allah qui m'inspire. Donc, voilà, donc ce que j'aimerais dire, il y a une seule chose que je veux. C'est-à-dire, je voudrais que tout ce qui va sortir de notre bouche soit soutenu et prouvé par un verset, que ce soit dans la Bible et le Coran. Il faudrait que chaque chose qu'on va dire, qu'il y ait des preuves de ce qu'on dit dans la Bible et dans le Coran. Et que si quelqu'un dit la vérité, même si par exemple toi tu dis une vérité, moi là, ce n'est pas parce que je ne suis pas chrétien, ou bien c'est un chrétien qui m'a dit cette vérité, je vais la refuser. Non, je dois reconnaître que ce que tu as dit est vrai. Donc vraiment, soyons sincères, ça fait un. Deuxièmement, pendant que toi tu parles, je ne dois pas vraiment t'arracher la parole sans te demander l'autorisation. Et pendant que je parle aussi, c'est la même chose. Il faudrait qu'on s'écoute pour pouvoir se comprendre. Est-ce que tu es d'accord avec ces règles ou bien tu... D'accord, c'est bien là. Les règles seront bien précises pour que chacun puisse détailler ses versions concrètement détaillées. Ok. Je te suis, vas-y. Ok, donc il est 20h36, tu prends 2 minutes pour faire ton introduction, donc tu finis à 39. Bon, mon introduction. Je vous vois souvent parler du salut de Dieu sans vraiment nous montrer comment l'homme a perdu le salut et comment on doit le retrouver. Pourquoi les religions sont venues et qu'est-ce que les religions nous donnent avec Dieu? En première version, si je prends le terme religion, ça, Allô? oui, les termes religieux désignés par les langues pour faire la différence entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Sinon, pour nous, nous sommes dans les alliances. La Torah est descendue dans l'alliance. L'évangile est descendu dans l'alliance. Et je ne sais pas si tu peux nous donner les versions termes religieux dans le Coran. Donc, voilà. En quelque sorte, ce que je voulais que tu saches avant le débat, on va parler du salut de Dieu. Tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Je suis très content. Tu as dit que
D'abord, on va parler d'un premier point qui est comment l'homme a perdu le salut avant donc de Oui. le retrouver. OK. On verra aussi, tu vas nous expliquer ça, comment l'homme a perdu le salut. Et puis, tu as dit encore que au niveau des religions et autres, c'est-à-dire toi, tu n'es pas dans la religion, c'est ça? Tu es dans l'alliance. Nous sommes dans l'Alliance, oui. Voilà, donc, c'est ça le problème. Parce que pour moi, la religion n'est rien d'autre que... Bon, d'abord, je vais te poser la question, mais moi, je ne vais pas définir la religion. Donc, comme tu dis, vous n'êtes pas dans la religion, moi, je ne sais pas pourquoi tu le dis, mais j'aimerais que dans ton développement, un, tu me prouves, hein, tu as posé là dans ton introduction deux problématiques. Comment l'homme a perdu le salut? Tu vas me donner ça. Deuxièmement, tu vas me dire pourquoi vous n'êtes pas dans la religion, mais surtout, qu'est-ce que la religion, la définition claire et nette de la religion, bien précise, parce que quand tu refuses quelque chose, ça veut dire que tu sais ce que c'est. Tu ne peux pas dire je ne suis pas dans telle chose alors que tu ne connais pas la chose à la base. Donc la religion se définit par quoi? Quand tu prendras la parole dans ton développement, tu vas me dire ça. Voilà. Et moi, ce que je vais dire ici ce soir, le salut de l'être humain est garanti dans seulement que le Saint-Coran, qui est la révélation divine, qui est la parole complète d'Allah, sans ambiguïté, sans incohérence, sans contradiction, sans falsification. En dehors du Coran, le salut n'est pas garanti dans aucun autre livre sur la terre. Je me tais et je te donne tant de paroles, 5 minutes pour ton développement. Les 20h39, donc à 45. Il faut continuer, puisque tu dis le salut ne se trouve que dans l'islam. Dis-nous C'est. comment le salut est C'est. venu et comment il a été perdu et comment il faut le retrouver. C'est ici là. C'est moi, je t'ai posé la question. Pourquoi tu me reposes la même question? C'est toi qui as posé deux problématiques dans ton introduction. Tu dis, tu as développé pour nous montrer comment l'homme a perdu le salut. Un, de tout. Et puis, c'est toi qui as donné le thème. Parce que si c'est moi, j'avais donné le thème, j'allais être le premier à commencer le développement. Mais comme c'est toi qui as donné le thème, ça s'impose à toi. C'est toi qui dois développer. Tu sais pourquoi tu as choisi le thème? Et la religion encore, c'est toi qui as déclaré que tu n'es pas dans la religion. Sinon, moi, je suis dans la religion. Donc, toi qui as dit que tu n'es pas dedans, c'est toi de nous expliquer pourquoi tu n'es pas dedans. Donc, et on a établi des règles au début. Introduction, tu as fait 2 minutes. Moi, j'ai fait 2 minutes. Développement, ce n'est pas à moi de commencer. C'est toi qui as commencé l'introduction, non? Donc, c'est toi qui commences aussi le développement. Donc, tu as 5 minutes pour le développement. Ok, merci beaucoup. OK. Et le salut de Dieu vient de la parole de Dieu. La parole est automatiquement le salut de Dieu. Et tous ceux qui vont renier la parole, les désobéir, vont perdre automatiquement leur salut. Ils vont perdre automatiquement leur salut, car le salut vient de la parole. Satan a perdu son salut quand il était ange. Il a désobéi à la parole de Dieu au ciel. Automatiquement, il perd son salut. On le chasse, il descend sur terre. Adam qui a été créé avec son salut propre, il était dans son paradis. Lui aussi, il tombe dans le piège de Satan. Il désobéit à la même parole que Satan a désobéi au ciel. Et automatiquement, son salut lui a été retiré. Il quitte sa chaise du paradis et doit être jugé avec Satan au moment venu. Satan et Adam doivent être jugés au moment venu pour avoir désobéi à la parole du Créateur qui est la source du salut de toutes choses dans l'univers. Donc, quand quelqu'un désobéit à la parole, automatiquement son salut lui sera retiré. Si j'attends les 5 minutes, la faut me dire. Ok, vas-y. Adam a eu la chance d'être créé en mode corps matériel et monde spirituel. Comme Dieu est esprit, le jugement se fera en esprit. Pour nous, Satan est déjà mort, car il était un esprit encore unique. Donc pour lui, il n'y a plus de salut. Mais Adam qui avait deux corps, pour que
l'esprit rejoint Satan au moment venu pour le jugement, il faut que son corps matérialisé avec la poussière que Dieu l'a créée, il faut que ce corps-là retourne à la poussière. Dans ce cas, il fallait que l'homme meure pour que l'esprit se détache et rejoigne le ciel. Voilà pourquoi, quand Adam a perdu son salut, Dieu lui a promis, tu avais été créé pour vivre éternellement, mais désormais tu connaîtras la mort et le jugement. Mais si le corps n'est pas encore mort, ça veut dire que Adam a la chance de se repentir et retrouver le salut de Dieu. Dans ce cas, pour que l'homme retrouve le salut perdu, il faut que la parole de Dieu que Adam a désobéi redevienne à Adam. Si tu m'autorises, je veux que tu me lises la Sophrate 2, verset 37. Folie. Tu ne peux pas lire. Folie. Mais toi, tu ne peux pas lire. Tu n'as pas le Coran, tu ne peux pas lire. J'ai ça sur le téléphone, je vais lire. Ok, il faut lire. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui cette le repentant et le miséricordieux. Le miséricordieux. Tu comprends? Il faut m'expliquer. Je ne comprends pas où. Ok. Pour pardonner à Adam, Allah lui envoie ses paroles pour lui pardonner. Ça veut dire que pour que l'homme le soit le salut perdu, il faut que la parole que l'homme a désobéi, pour que cette parole-là redescende encore. C'est pour cela, la sourate 2, verset 37 déclare que Adam a reçu de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Si nous retournons vers Jean, allô? Je viens. On va aller dans l'évangile. Jean 3, 16. Mm-hmm. Là-bas, mm-hmm. Car Dieu a tant aimé le monde, mm-hmm. qu'il a donné son Fils unique, mm-hmm. afin que quiconque croit en lui, mm-hmm. ne périsse point, mm-hmm. mais qu'il ait la vie éternelle. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. Dieu envoie son Fils au monde en tant que quoi? En tant que sa parole. Mm-hmm. Dieu envoie son Fils unique dans le monde en tant que sa parole. Mm-hmm. La parole que Satan avec Adam avait désobéi, c'est mm-hmm. cette parole qui nous dédescend en mode Messie pour mm-hmm. nous apprendre à faire la volonté de Dieu mm-hmm. sur terre comme au ciel. C'est pour cela la parole est venue. Et si on continue, non, ça la va. Parole... Et ça va, tu devais finir à 45. En effet. Ça va. Ok. Tu devais venir à, finir d'accord, à 45. D'accord. Mais tellement que je n'ai rien compris dans tout ce que tu as dit là, j'ai ajouté encore 2 minutes. Tu es allé jusqu'à 47, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que, un, tu n'as pas touché ta problématique toi-même. Tu dis comment l'homme a perdu le salut. C'est ce que tu devais expliquer. On n'a pas vu ça dans ton explication. Deuxièmement, la religion, tu dis tu n'es pas religieux, tu es dans l'alliance. Tu devais nous expliquer ces deux problématiques que tu as mis là. Et puis dans ton développement, tu sors de ton propre, c'est-à-dire que oui, de ton champ oui, de travail. Il faut que tu accordes le bon. Salut d'abord avant qu'on continue. Je ne peux pas sauter du salut pour aller parler de l'alliance. Tu vois ton comportement déjà. Excuse-moi. Quand on a commencé, tu as commencé à parler jusqu'à la fin, là, et si je t'ai interrompu?
C'est ce que je t'ai dit au début, on a établi les règles. Je t'ai dit, quand tu commences à parler, je n'ai pas le droit de t'interrompre. Et quand je parle, tu n'as pas le droit de m'interrompre. Quand tu parlais, tu penses que j'étais d'accord avec ce que tu disais? Non, il faut m'écouter. Quand tu parlais, je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, mais j'étais écouté, j'étais respecté. Et j'ai respecté les mêmes principes que nous, les principes que nous-mêmes on a mis en place. C'est ça déjà le premier respect. C'est de respecter soi-même ses propres principes. Mais si toi, tu ne respectes pas tes propres principes, tu as respecté quoi? Donc, une fois de plus, s'il te plaît, nous sommes matures. Quand je parle, tu me laisses parler. OK. Donc, ici, un, les deux problématiques n'ont pas été touchées. Si tu voulais donner une définition du salut, il fallait donner la définition du salut. Et commencer par le début. Ce qui est dans le thème nous dit quoi? Comment l'homme a perdu le salut et comment ensuite il l'a retrouvé. Donc, la première des problématiques dans le thème, c'est comment d'abord il a perdu le salut. Et c'est ce que moi j'attendais. Cela n'a pas été fait. Mais tu tombes sur la fin du thème, c'est comment il retrouve, comment, par quel moyen Dieu va nous sauver. Par sa parole, il a envoyé son fils en mode Messie, qui est sa parole et tout. Bon, je ne sais pas. OK. Je vais régler ce problème-là rapidement, balayer ça rapidement et puis on va avancer. Je vais te faire encore un cadeau. Je ne vais pas rentrer dans trop de complications avec toi. Tu es rentré dans le Coran pour prendre un verset. La sourate 2, verset 37. Badaouz bilayim nashtan rajim simna rahman rahim. Je ne parle pas en langue, hein. Je suis en train de lire le Coran. Dans sa langue est liturgique. Allah dit « Fatalaqa adamu mi rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim » Et depuis, Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Ces paroles-là, si tu les cherches, ça se trouve dans la sourate Al-A'raf. Donc ça, c'est Adam alayhi salam, il le dit là-bas. Donc, Rabbana zolamna anfusana, wa in lam takfir lana wa tarhamna, lanakunana minal khosirin. Il dit, mon Seigneur, ma femme et moi, nous nous sommes causés du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des plus grands perdants le jour de Yawmul Qiyamah. Donc, et Allah, il a agréé le repentir donc de Seyyidina Adam alayhi salam. Et effectivement, il leur a dit au verset 38, nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Ce guide-là, c'est la parole d'Allah et les messagers qui viennent donc nous prêcher ces paroles-là sur la terre. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Bien, maintenant, je suis d'accord avec toi sur un point, que c'est Isa alayhi salam qui est Jésus, il est venu nous donner ce qu'il faut pour avoir le salut, pour avoir la vie éternelle. Et ce qu'il faut exactement pour avoir la vie éternelle, le salut, c'est la parole d'Allah, ce sont ses commandements et ses prescriptions. C'est en les observant et les mettant en pratique, c'est en ce moment qu'on a le salut. Ce n'est ni la mort d'un être humain, ni la mort d'un animal, ni aucun sacrifice n'est prévu pour le salut dans le plan d'Allah. J'ai dit bien pour le salut. Les sacrifices qui étaient dans l'Ancien Testament, dans Lévitique et autres là, si tu veux, on va aller là-bas, tu poses des questions, on va te répondre pourquoi ces sacrifices-là étaient là et ça jouait quel rôle. C'est quel genre de péché aussi que ces sacrifices-là pardonnaient. Est-ce que c'était les péchés prémédités ou c'était les péchés involontaires, etc. Bien, donc on revient ici. C'est Naïssa dans Luc chapitre 4 à partir du verset 43 à 44. Jésus est clair. Il dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc le cas ici est pour justifier la cause de sa venue sur la terre. Il dit, cette cause-là, c'est de venir annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en français soutenu, c'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est ce qu'il est venu annoncer. Et quand il a fini d'annoncer cette bonne nouvelle, dans Jean chapitre 3, 17 à partir du verset 3 à 4, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Le seul véritable Dieu est moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Voici le verset que Jésus-Christ a pris pour conclure toute sa mission. C'est-à-dire, il a conclu sa mission avec le tawhid, l'unicité absolue d'Allah, ainsi que lui, la reconnaissance des hommes envers lui en tant qu'envoyé de Dieu. Et au verset 4, il va dire, Père, j'ai achevé maintenant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Tu peux m'élever vers toi. Donc, Jésus est venu nous enseigner rien que le salut au moyen du respect des commandements de Dieu, commençant par la connaissance même du véritable Dieu, l'adorer sans l'associer à qui ou à quoi que ce soit dans l'adoration. Donc son unicité dans sa seigneurie, son unicité dans sa divinité, son unicité dans ses attributs et son unicité dans son adoration. Donc c'est ce que Jésus nous a donné. Et comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour t'embrouiller,
Je vais te redonner la parole et puis voir de quoi tu parles encore, parce que je ne t'ai pas vraiment compris. Donc. Non. Si c'est pour m'embrouiller là, ne pense même pas à ça. Ok. Je te donne garantie, 1 000 sur 1 million. Ne pense même pas à ça. Ok, J'ai d'accord. dit que Jésus a dit. Tu peux prendre la parole parce que mon temps est fini. Les 53, tu as 5 minutes. Voilà. Donc tu dois finir à 57. OK. Donc, pour moi, le salut est la parole de Dieu. Tu as dit ici que Jésus est venu, il n'a rien à voir avec la mort d'un animal, les sacrifices des anciens testaments, autres. Je vais te lire un verset. Tu es là? Oui, je suis là. OK. En vérité, c'est Jean 6, 47. Oui. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. C'est ici le pain descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs que vous semblez recopier étaient en train de murmurer en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Selon vous, comment Jésus a fait pour que nous mangeons sa chair et que nous vivons son sang? Selon moi, Oui, selon vous. ah, moi-même j'étais prêt à te poser la question. Est-ce que vous êtes des zombies ou vous êtes des vampires? Comment est-ce que vous mangez son sang et puis vous buvez sa chair? Est-ce que c'était sa chair physique ou bien Voilà. c'était spirituel? Explique-moi. Ou bien vous êtes des zombies? Voilà. Voilà. Je vais t'expliquer. Puisque la Sourate 10, 94 vous dit, en cas de doute, de se référer, non pas à la Torah ni à l'Évangile, mais ceux qui lisent la Torah et l'Évangile. Allah a été clair. C'est En faux. cas de doute, référez-vous à ceux qui lisent ces livres-là d'abord. C'est On ne parle faux. même pas de la Torah même en tant que telle, hein, C'est mais faux. ceux qui les lisent. C'est Et je faux. vais vous dire ça. C'est pas écrit là-bas, Le c'est faux. sacrifice que vous faites, le sacrifice que vous faites le jour du Tabaski, là, en réalité, c'est censé être un don du fils d'Abraham qu'Abraham a donné à Dieu. Est-ce que vous avez posé cette question-là à Dieu pour savoir si Dieu était un zombie pour demander à Abraham de lui sacrifier son enfant? J'ai fait la théologie et je connais les questions par question. Si tu laisses les écritures, même tu vas aller en théologie, je suis prêt. Est-ce que, façon que tu me poses la question-là, vous avez déjà posé la question, est-ce que Allah était. Dieu était un zombie pour dire à Abraham de lui sacrifier son enfant? Non. Au moment où Abraham va sacrifier l'enfant, un lion a été descendu du ciel. Et le sang de cet lion a conclu, a scellé la première alliance. De la même façon, Jean-Baptiste, que vous Il avez est l'heure, à il est l'heure. Tes 5 minutes sont finies. il a. Ah? Tes 5 minutes sont finies, il est l'heure. Ok.
donc je te donne la parole. Ok. Tu me demandes de demander à Allah s'il est un zombie quand il a dit à Abraham de faire le sacrifice de son fils pour lui. Ok. Je vais répondre à ta question. Dans le la sourate 22, comme tu dis, tu es un grand théologien, même si on va en théologie, tu es très fort là-bas, il n'y a pas de souci. On verra ce soir. Dans la sourate 22, sourate du pèlerinage, à partir du verset 37, Allah est clair. Il dit, tous les animaux que nous immolons pour lui, que ce soit chameau, que ce soit les moutons, les bœufs, tout ça, Allah il dit, ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété, la foi avec laquelle vous avez immolé ça pour Allah. C'est cette foi-là seulement qu'Allah veut de vous, cette piété-là. Allah dit, ni le chair, ni le sang ne lui atteignent. Contrairement à vous, c'est la chair et le sang même de Christ là que vous... Et vous mangez, vous buvez, vous êtes, je suis fier de vous. C'est-à-dire que... Ok, il n'y a pas de souci, oh, je reviendrai. Maintenant, voici là où j'aimerais qu'on échange un peu. Juste une petite question. C'est mon temps de parole, donc je préfère utiliser mon temps pour un échange direct avec toi. Je te pose juste une petite question. Tu dis d'abord au début, comment l'homme a perdu son salut. J'aimerais savoir, le salut là, comment l'homme a perdu? Explique-moi, c'est une question. Il a désobéi à la parole que Allah lui avait donnée. Qui? Qui a désobéi? Comme preuve, Adam. Mais est-ce que toi tu es Adam? Voilà. Je ne suis pas Adam. Mais comment ça se fait que toi tu sois victime alors que ce n'est pas toi qui as mangé le fruit? Nous sommes les descendants d'Adam. Oui, est-ce que c'est parce que ton papa a commis une gaffe que c'est toi qui as commis ça? Mon père fait partie de la lignée d'Adam. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, le péché d'Adam, là, c'est pas sur ses enfants. Le péché d'Adam a enlevé le salut. Dans la sourate 2, verset 37, là, Allah dit qu'il a pardonné à Adam. Oui. Dis-moi comment quelqu'un qui a créé dans le paradis, mm-hmm. il fait une erreur, mm-hmm. on lui chasse du paradis, mm-hmm. il se répand, il vient demander pardon, mm-hmm. on lui pardonne et on l'a jamais donné son paradis. Si Allah avait vraiment pardonné à Adam, nous serons là aujourd'hui faire du débat dans les religions. Ma question n'est pas là. Ma question n'est pas là. Ma question n'est pas là. Calme-toi, tu vas m'écouter. C'est mon temps de parole, je te pose juste des questions. Ma question n'est pas là. Ma question, est-ce que toi et moi, on est d'accord que le péché d'Adam, là, c'est pas en toi et moi? C'est ça, je te demande. Non, pas non, 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 non. Tu comprends pas ma pourquoi question. Oh, ça, on n'appelle pas ça le péché d'Adam, le fait qu'on n'est pas au paradis. Nous vivons les conséquences des péchés de notre père Adam. Donc nous vivons les conséquences de ses actes. Ça, là, ça fait le fait qu'on vit sur la terre, dans la terre de souffrance ici, là. Ça, ça fait partie des conséquences. Mais les conséquences et le péché sont deux choses différentes. Il y a le péché et il y a les conséquences du péché. Maintenant, nous vivons les conséquences ici. Mais on est d'accord, toi et moi ici, là, que le péché d'Adam est celui seul, non? Oui, les conséquences que tu dis là, c'est ça qui nous traumatise aujourd'hui. Voilà, mais ma question est, est-ce que le péché là, c'est pour Adam seul ou bien c'est pour nous tous? Le péché l'a enlevé quelque chose, c'est ça. Je n'ai pas dit que ça n'a pas enlevé quelque chose. Attends, tu es un théologien ou bien tu es quoi? Toi qui me dis tout de suite que tu es théologien, tu es tout ça, là, on te pose une petite question simple comme ça, tu ne peux pas répondre. J'ai dit les conséquences sont là, on vit, là on est d'accord, mais tu reviens sur ça. Quelque chose, on est déjà d'accord, il ne faut plus revenir sur ça. Maintenant, ma question est, le péché là, est-ce que c'est sur Adam seul, oui ou non? Maintenant, les conséquences là, on partage ça avec Adam, mais est-ce que le péché là, c'est sur Adam seul? Est-ce qu'on partage ça avec lui aussi? C'est ma question. Nous sommes les enfants de qui? De Adam. Et si notre père a commis quelque chose, qu'on l'a condamné là, mm-hmm. dans sa condamnation, de son absence, mm-hmm. si on l'a condamné, il était accident, on enlève ses grades là. Mm-hmm. Est-ce que nous, on peut hériter le bonheur du salaire qu'il allait nous donner? On ne peut pas. Attends, est-ce que tu comprends français? J'ai dit... Et pourquoi je t'appelle? J'ai dit... Non, tu peux ne pas comprendre français et puis m'appeler. Aïe. J'ai dit... Adam, Adam là, moi j'ai échangé des gens ici qui ne comprennent pas français. Mais je vais récapituler encore, je vais reformuler encore. Je vais parler d'un français terre à terre. On est d'accord, toi et moi, que Adam était au paradis après avoir commis
cette erreur, ce péché en mangeant le truc, le fruit, on est revenu tous sur la terre ici à cause de cet acte d'Adam-là. Donc nous vivons les conséquences des péchés, du péché de notre père. Ça, c'est les conséquences. C'est comme de suite là. Moi, mon papa peut être mauvais. C'est-à-dire qu'il est méchant avec les gens en ville. Il ne rend pas service à quelqu'un malgré son titre et tout. Il ne rend pas service à quelqu'un. Et donc, moi, un jour, je me lève, je vais demander service à quelqu'un. Et puis, il me dit, mon frère, tu n'auras pas ce poste-là chez moi, ici, dans mon entreprise. Parce que quand j'étais allé demander à ton père de m'aider, il a refusé. Donc, je n'ai pas rendu service à son enfant. Ce jour-là, j'ai vécu les conséquences des mauvais actes de mon papa. J'ai vécu les conséquences de la méchanceté de mon père. Parce qu'à cause de son comportement de ne pas aider les autres, ils ont refusé de m'aider ce jour-là. Mais le péché de mon père, là, c'est pour lui seul, c'est pas pour moi. Adam a mangé le fruit, là. Ce péché-là, c'est pas pour nous, c'est pour Adam seul, là-bas. C'est, ta Bible même le dit. Comme tu refuses de répondre, là, moi, je vais répondre dans ta Bible même. Donc ça, c'est... Dans le livre de Deutéronome 24, 16, le salaire du péché, c'est la mort. Faut te calmer. Adam est mort et nous allons mourir. On te dit, c'est les conséquences du péché. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas la différence entre péché et puis conséquences du péché et puis fait débat avec moi. C'est gravissime. Deutéronome 24, 16 te dit, écoute-moi. On t'a dit la sourate 2:37, okay. Et Allah a pardonné Adam. On ne peut pas pardonner quelqu'un et il ne retrouve pas son salut et il doit subir la mort et être jugé. Il faut battre plus combien même pour Jésus. Et dans Deutéronome 24, 16, là, l'Éternel dit, le fils ne portera pas le péché du père et le père ne portera pas le péché de son fils. Donc c'est ta Bible même qui dit ça, hein, tu peux vérifier. L'Éternel dit que le fils là... Exactement, Deutéronome dit ça parce que pendant ce jour, Moïse a descendu avec la Torah et trouve les enfants d'Israël en train d'adorer le veau d'or. Et Moïse a dit, pour éviter la colère de Dieu, il fracasse la première Torah écrite de la main de Dieu et il ordonne aux Lévites, les tribus de sa propre tribu, de passer à l'épée tous ceux qui ont forcené pour adorer le veau d'or. On les a tués tous. Moïse remonte et il demande à Dieu pardon, soit Dieu même efface son nom là-bas. C'est ce jour-là, Dieu dit d'accord, à partir d'aujourd'hui, les fils n'hériteront pas les erreurs de leur père. Je connais bien ma Bible avant de venir. Je viens pas avec toi comme un enfant de CPE. Là où tu vas aller, je vais te dire. Ce qui est gravissime même, tu es en train de lire quelque chose, tu n'es même pas dans le contexte. Ça fait. Deuxièmement, si réellement tu maîtrisais ta Bible, le petit français que je suis en train de me tuer à t'expliquer, tu l'aurais compris. Tu aurais su qu'il y a une différence entre le péché et les conséquences du péché. Il y a une différence entre le péché et les conséquences du péché. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est grave. Maintenant, je reviens. Tu as lu tout le fait de monter, aller lire tout le texte pour descendre. Là, c'est pas mon souci qui est là. On a tous lu. Maintenant, ma question est, est-ce que le verset dit que le fils ne portera pas le péché du père? Et puis, je continue. Oui, le verset dit clairement comme ça. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, voici un verset qui est clair ici dans la Bible. Donc, le fils ne portera pas le péché du père. Le père. Jérémie, encore 18, verset 18 à 22 est clair. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le juste se repent, le méchant se repent de tous ses péchés qu'il commettait, qu'il observe mes commandements et pratique la justice, il vivra et il ne mourra pas. Ce que vous vous forcez à vouloir introduire ici, là, c'est le péché originel dans la Bible, alors que la Bible n'a jamais mentionné que tous ceux qui naissent, naissent avec le péché d'Adam en eux. Non. Nous sommes tous d'accord que nous vivons aujourd'hui les conséquences du péché d'Adam. Mais dire que le péché d'Adam est en nous, c'est faux. Un enfant qui naît, il n'est pas avec le péché d'Adam. Un bébé qui est né 2 ans et puis il est mort là, il ne va pas en enfer parce qu'il n'est pas né avec le péché. Même s'il n'a pas grandi pour croire à Jésus-Christ là, lui veut pas aller en, il ne peut pas aller en enfer parce qu'il n'est pas né avec le péché en lui. Ce qui est clair. C'est pourquoi Jésus, même parlant des enfants, il va prendre exemple sur eux. Tous ceux qui ne les ressembleront pas ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Parce qu'ils sont sans péché, donc il faut les ressembler. S'ils étaient des pécheurs, Jésus n'allait pas prendre l'exemple sur eux. Donc c'est pour dire tout simplement, ça, ça fait déjà un. Deuxièmement, ta problématique de la parole et tout ça, là, je suis d'accord. Mais quand le verset, tu prends le verset pour dire encore que Jésus est venu avec sa chair, son sang et tout ça, et il dit ceux qui vont manger et puis boire là. Tu vas m'expliquer, c'est la parole que Jésus a prêchée là qui donne le salut, parce que c'est ce que tu as dans ton introduction, ou bien c'est le corps, le sang de Jésus qui donne le salut. Entre sa parole et puis son corps, son sang là, dis-moi, qu'est-ce qui donne le salut? Entre sa parole...
et son corps, il y a deux choses différentes. Mm-hmm. La parole est automatiquement le salut. Mais chaque alliance conclue a ses adeptes et ses signes, ses marques qu'il faut suivre. Dans la Torah, le signe de l'alliance de la Torah était la circoncision et de manger le pain sans levure le jour, le vendredi qui commence le sabbat. Les Juifs mangeaient ça et ils mettaient ça toujours sur la table des propositions de Dieu. C'est écrit, ça y est là. Avant de venir à ce sujet-là, demande-moi pour comment Jésus a fait pour que nous mangeons son chair, sa chair et son sang, et je vais te dire. J'ai une question, c'est la parole de Jésus qui sauve ou bien c'est sa chair et son sang? C'est ma question. Là, il faut que la parole vienne. Celui qui n'observe pas la parole ne peut pas manger la chair de Jésus et son sang. Ok. Sa chair dont tu parles manger là, c'est chair physique ou bien c'est spirituel? C'est spirituel, c'est sanctifié. Dans l'Ancien Testament, le là. Le... Et c'est le même pain et le vin que Melchizedek a donné à Abraham que vous suivez aujourd'hui, que votre modèle là. S'il te plaît. Au temps d'Abraham, vous dites qu'Abraham était musulman, mais au temps d'Abraham, il n'y avait pas un imam. C'est Melchizedek qui a béni Abraham avec le pain et le vin. Le pain et le vin a été toujours l'offrande de plaisir au Dieu de la Torah et l'Évangile. S'il te plaît. Le pain sans levure de l'Ancien Testament, c'était physique ou bien pain spirituel? C'était physique. Ok, la chair et le sang de Jésus, c'est physique ou bien c'est spirituel? Allô? Oui, je suis là. La chair de Jésus dont tu parles que vous mangez et puis vous buvez son sang, là, c'est physique ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. Ok, Dieu c'est merci. C'est écrit dans le Coran même. Justement, non, le Coran n'a jamais dit de manger la chair de Jésus ou bien son sang. Ça n'existe pas. Tu peux sortir le verset. Ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Maintenant, je reviens c'est ici. Pas, je reviens ici. Parce que vous interprétez mal le Coran et vous ne voulez pas venir nous demander. Oui, si vous allez là-bas. C'est vrai. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, tu vas me montrer tout de suite, mais il ne faut même pas t'inquiéter. Eh, chez moi, on ne dit pas quelque chose sur le Coran et puis on ne prouve pas. Tu vas me montrer ça tout de suite là. Comme non, on ne sait pas interpréter là, tu vas me montrer. Ta sourate 10:94 là. D'abord, je te montre ici que tu ne connais rien dans le Coran. Parce que ce n'est pas écrit là-bas que si nous doutons de quelque chose, on doit aller interroger vous les chrétiens ou un truc. Ça n'existe pas dans la sourate 10:94. Ça, c'est archi faux. Et je vais t'expliquer la sourate 10:94 aussi, de suite là. Maintenant, Jésus, là, je te donne ses propres paroles. Parce que nous, les musulmans, on aime Jésus. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus te dit dans Jean chapitre 12, à partir du verset 48 à 50. Attends même que je lis le verset. Au lieu de réciter comme ça pour aller, je vais lire. Et puis c'est encore plus intéressant même quand on lit. Dans Jean chapitre 12, à partir du verset 48 à 50, voici ce que Jésus dit ici. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamnera au dernier jour. Jésus n'a jamais dit quelque part dans la Bible que si quelqu'un ne croit pas à lui, sa mort, tant, l'absence sera condamnée. Non. Mais il a dit plutôt celui qui rejette ses enseignements et ses commandements. Il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Jésus est clair. Je n'ai pas parlé de ma propre initiative. Mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devrais dire et enseigner. Et je le sais. Ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. Ainsi, ce que je le dis comme le Père me l'a ordonné. Donc Jésus est plus que clair. Ce sont les commandements de Dieu qui sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses qu'il lui dit, il les dit comme le Père les lui a dites. Jésus est clair. Maintenant, montre-moi dans le Coran où on dit de manger la chair de Jésus. Là. J'ai dit, voilà, Jean 3,16. Merci, tu avais touché ça, j'avais oublié. Je reviens encore, je vais te mettre à ta place là-bas. Dans Jean 3,13, voici ce qui est écrit. D'abord même, je te dis, si tu es théologien, tu seras d'accord avec moi. Sauf si tu n'es pas théologien. 3,15. Faut te calmer là. Si tu es théologien, je pense que tu seras d'accord avec moi sur un point. D'abord, il faut savoir que les premières versions de Bible qui sont sorties ont fait une grosse erreur sur Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Et les versions révisées et corrigées après
sont venus rectifier les versions révisées et corrigées des années 1952. Pour un théologien, il doit savoir. La version standard de la Bible révisée et corrigée de 1952 est venue corriger Jean 3,16. Et donc, avant d'arriver, je reviens ici encore dans Jean 3,15. Comme tu me dis de lire, je vais commencer au verset 15 pour descendre. Voilà ce qui est écrit. Il commence même au verset 14. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ouais, tu as dit de lui le verset 15. Il doit être élevé sur quoi? Ils n'ont pas dit sur quoi il sera élevé. On dit de même le Fils de l'homme sera élevé. Mais quoi la Bible n'a pas dit? Tu as su que Moïse a élevé le serpent sur le bois de, pour que les Israélites voient le serpent sur le bois pour être guéris. Est-ce que le serpent que Moïse a levé, je t'explique. Est-ce que le serpent que Moïse a levé, c'était un serpent vivant ou bien un serpent mort? Excuse-moi. Un serpent de bronze. Excuse-moi. Ma question est, est-ce que le serpent que Moïse a élevé, c'était un vrai serpent ou bien un faux serpent? C'est un serpent de bronze. Un serpent de bronze, c'est un serpent fabriqué, non? Voilà. Donc celui qui était sur la croix aussi chez vous, les chrétiens, là, c'est un Jésus fabriqué. C'est la même chose. Il a dit tel que. Donc, du coup, c'est la même chose pour Moïse. C'est un serpent fabriqué aussi, donc c'est un Jésus fabriqué. Maintenant, on a. Qui parle à la place de Jésus ou bien de Jésus qui parle? Parce que souvent, vous laissez l'évangile et vous créez votre propre. Moi, je n'ai pas créé. C'est toi-même, c'est un serpent de bronze qui a été élevé. Comment tu veux que ce soit un Jésus naturel qui soit élevé? Ce soit le vrai Jésus. Alors que l'autre était un faux serpent. Il faut arrêter ça. Donc, je reviens ici. Attends. Le verset 15 te dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous, on n'a jamais douté de ce verset. Quiconque croit en lui, parmi qui? De son vivant, pendant son ministère, parmi qui? Parmi les enfants d'Israël, ça n'a rien à voir avec toi ici, mon frère africain, toi qui viens du Togo ou bien où à côté là. Est-ce que toi, tu es un Israélite? Toi, tu n'es pas dans l'alliance de Christ? Paul t'a dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Donc ça, c'est clair. Je viens de là-bas. Quand vous partez, je ne suis pas Israélite là. Toi, tu es arabe, puisque le Coran est descendu en arabe. Pour éclairer le peuple arabe. C'est faux. Pas arabe. C'est ne faux. Ne va pas là-bas. Surat 25. Surat 25. Dès les versets du Coran ici. Surat 25, verset 1er. Il a été ordonné que d'adorer le Seigneur de la Mecque. Il a dit que le Coran est descendu en arabe vers un peuple qui n'avait pas de livre. C'est archi faux. Faites attention quand vous parlez c'est de nous. C'est ce que je suis en train de te dire là. C'est ce que je suis en train de te dire. L'évangile est différent de la Torah. Les musulmans devant lesquels vous sautillez comme ça, on dirait celle sur vers de terre. C'est pas moi. Moi, je suis assis dans les écritures et puis je parle. Je maîtrise mon sujet, mon frère. Ça marche pas avec moi. Le Coran est descendu pour les arabes seulement. C'est archi faux. La sourate 38 à partir du verset. C'est écrit dans votre Coran. Je t'ai donné les versets. Moi, je suis en train de te donner les versets aussi. La sourate 38 te dit quoi? Allah il dit au prophète Wama arsalnaka illa kafatan linasi bashiran wa nazira walakin aksara nasi la ya'lamun. Il dit au prophète, il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'avertisseur et annonciateur à la totalité des êtres humains. Est-ce que toi tu es un être humain ou bien tu es un mouton? Je demande. Tu es un être humain ou bien tu es un mouton? Réponds-moi. Tu vas les lire. Ces versets-là existent. Quand on te dit. Le Coran est clair. Quand on te dit, le Coran te dit dans la sourate 21, verset 107, que le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ça fait un. Dans la sourate 25, verset 1er, le Coran est descendu sur le serviteur. Allah dit sur son serviteur, il a fait descendre le livre du discernement afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Dans la sourate 38, qu'il vient de te donner encore, il dit qu'il a choisi encore le prophète comme avertisseur, annonciateur et avertisseur, donc pour tous les êtres humains, à la totalité des êtres humains. Maintenant, les versets que tu prends, ce qui est naturel, il ne peut pas quitter son peuple pour aller prêcher au fin fond de la terre sans commencer par son peuple. C'est faux. Mais le message est destiné à tout l'univers, mais il commence par son peuple avant d'atteindre l'univers entier avec. Contrairement à pour toi, il n'y a pas un passage où Jésus dit clairement que lui, il est venu commencer d'abord par les enfants d'Israël et ensuite lui va aller en dehors d'Israël. Jésus n'a jamais dit ça dans la Bible. S'il y a un verset, il faut me donner. Si tu finis, dis-moi, tu es fini, je vais te faire lire les autres sourates. Non, ce n'est pas ça le thème. On va avancer. Ma question était simple. Ce n'est pas ça le thème. Parler ici et partir. Tu dois les lire. Ce n'est pas ça le thème. Faut pas me dire que je ne suis pas israélite et parler autre chose. Tu ne vas pas me faire traîner ici. Il a dit, tu ne vas pas me faire traîner ici. Tu ne vas pas me faire traîner ici, ce n'est pas le thème. Le thème est bien précis. C'est toi qui as choisi le thème, donc tu ne vas pas sortir dans le thème pour venir ici. Donc si le thème n'est pas là-bas, ne pas me poser les questions pour me dire que je ne suis pas cela.
Je ne suis pas ici. Ok. Reste dans le thème et on va aller avec le thème. Moi, bordel, là, je vais te montrer les versets. Je reviens ici. Moi, je te dis, tout de suite. Dans Jean chapitre... Soit tu les lis. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 15 que j'ai lu là, le salut ici était pour les enfants d'Israël, ce qui est clair. Et quiconque croyait en Jésus avait la vie éternelle. Mais croire en Jésus ici n'était pas son sang et sa chair, je répète encore. Parce que quand Jésus a parlé de son sang et de sa chair, ce n'est pas physique. C'est comme quand il dit encore, le Père est en moi, je suis dans le Père. Ce n'est pas quelque chose de physique. La même chose, il le dit, je demeure dans le Père. Comme il le dit encore concernant les disciples, demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est pour montrer qu'ils sont une seule chair. Celui qui quand il parle de manger sa chair, c'est-à-dire un avec lui en fait. C'est tout simplement ce que Jésus est en train de dire. Être un avec lui, tel qu'il dit aux disciples, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Jésus n'a, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de manger sa chair et son sang. Si ça existe, il faut me montrer. Montre-moi. Tu as fini? Oui. Montre-moi dans le Coran où Jésus a dit de manger sa chair et son sang. C'est ce que j'attends. J'ai rien, non? Ok. Tu prends Matthieu. Est-ce que Matthieu, c'est le Coran? Tu as la Bible là-bas, non? Matthieu n'est pas le Coran. Tu as dit dans le Coran, devant tout le monde, tu vas me montrer. C'est pour le Coran qui m'intéresse, mon frère. Montre-moi dans le Coran. Je vais commencer par Matthieu. Non, pardon. Il faut montrer dans le Coran. Il faut montrer dans le Coran et puis on va aller à la Bible. Il faut montrer dans le Coran, pardon, et puis on va aller avec la Bible. Comme tu dis, non, on comprend mal, on interprète mal le Coran. Montre-moi dans le Coran où Jésus a démoyé sa chair et son sang et puis on va partir de l'autre côté, s'il te plaît. Montre-moi. Ok. D'accord. La cinquième sourate du Saint-Coran s'appelle comment en français? Moi, je ne sais pas. C'est toi qui dis tu vas me montrer. Maintenant, montre-moi. Pourquoi me poser des questions? Moi, je suis non, à l'écoute. Non, mon frère. Pose-toi, fais le débat là, ça va être tout. Donne-moi le nom du cinquième sourate de la Saint-Coran. Pour me montrer toi-même. Pardon. Tu dis on explique mal le Coran. Donc, moi, je dis maintenant, comme toi, tu connais le contexte. Il faut me montrer. Maintenant, tu me poses question. Moi, ce que j'ai dit là, ce serait mal interprété si je ne connais pas. Donc, toi qui connais là, pardon, il faut me montrer. Ok. Ok. Le nom du cinquième sourate du Saint-Coran s'appelle la table servie. Tu me comprends? Oui, je t'écoute. D'accord. Je prends la sourate 113. 112, pardon. Oh, rappelle-toi où les apôtres disent. La sourate 112. Marie, attends, le verset 112 ou bien la sourate 112? Verset 112. Ah, ok. Je peux aller? Vas-y, continue. Rappelle-toi le moment où les apôtres dirent, oh Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit, je t'écoute. Craignez plutôt Allah si vous êtes croyant. Il dit, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs et savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, le premier d'entre nous comme le dernier, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah. Allah répond Jésus directement sur le sang. Je le ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le satierai d'un châtiment dont je n'ai jamais satié personne d'autre dans l'univers. Jésus fait descendre une nourriture du ciel sur une table servie pour que ses apôtres en mangent et soient les témoins. C'est même comme le Coran parle du passé, nous allons retourner au temps de Jésus, voir c'est quelle table servie les apôtres ont mangé avec Jésus. Maintenant, pas dans Matthieu 26, 26. Allô, tu me suis? Je t'écoute. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain,
Après avoir rendu grâce, il le rompit et donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » C'était le dernier pas qu'il va manger avec ses apôtres. Et si j'allais prendre tout en haut, tu vas voir que Jésus a réuni ses apôtres sur une table et il prend le table. Pain et le vin. Il le sanctifie comme Melchisédek en a fait au temps d'Abraham, comme Moïse en a fait avec le peuple d'Israël. Et il dit à ses apôtres, ça serait à chaque fête de Pâques, vous allez vous souvenir de ça. Je veux parler. Et c'est ses apôtres qui ont été les témoins. C'est eux qui nous ont appris ce que nous faisons à l'église sur la table servie. Je peux parler maintenant. Il est vrai que la sourate 5 même de ton propre Coran, la sourate 5 là commence par la table servie. Et c'est Jésus avec ses apôtres qui sont mentionnés dedans. Je peux parler. Vas-y. Ok. Moi-même, j'ai ma table servie chez moi ici à la maison. Donc je suis dedans. Tout le oui, monde a... Allez, calme-toi, s'il te plaît. Je t'ai écouté. Non, hein, je t'ai écouté, hein. Tu es rentré dans le Coran pour dire n'importe quoi de suite là. Je n'étais pas d'accord, mais je t'ai écouté. Donc, s'il te plaît, écoute-moi. J'aimerais qu'on se respecte. Dans le Coran, on ne dit pas n'importe quoi. J'ai lu ce qui est écrit là-bas. Pardon, non, pour j'ai dit ton tu... Coran. Non, ce moi... n'est pas inventé. C'est tu pour n'as pas compris. J'ai dit si toi. Je erré, tu vas me corriger. Toi, tu as dit n'importe quoi. Je n'ai pas dit le Coran, dit n'importe quoi. Je pèse bien mes mots quand je parle. Okay. J'ai lu le Coran. Tu as écouté, non? En âme et conscience, quand tu sais que tu ne connais pas quelque chose là, demande aux gens tout simplement de t'expliquer. Mais tu viens lire un verset, tu le. Je vais demander qui? À moi? Calme-toi. Allah même dit là-bas qu'il a fait descendre le Coran pour confirmer ce qui est écrit dans la Torah et l'Évangile. Toi, tu n'as pas l'Évangile. Toi, tu as l'Évangile. Toi, tu as l'Évangile. La Sourate 3:3 dit que ouais, l'Évangile. Le Saint-Coran est descendu pour confirmer ce qui est écrit dans la Torah et l'Évangile. Je te demande, est-ce que toi, tu as l'Évangile? Où est l'Évangile? Où est l'Évangile? Faut me montrer. Toi, tu as l'Évangile? Le Saint-Coran est révélé quand? C'est pas je te demande, est-ce que toi tu as l'Évangile? C'est ma question. Eh, mon frère, ne sois pas malhonnête. Réponds aux questions ici. Ne sois pas malhonnête. Ne sois pas malhonnête. Réponds à ma question, ne sois pas malhonnête. Est-ce que toi tu as l'Évangile? C'est ma question précise. Tu as l'Évangile, oui ou non? Est-ce que tu as l'Évangile? Je n'ai pas l'Évangile. Donc, il ne faut plus me parler de ce que tu as. Parce que ce que tu as n'a pas été révélé à un prophète. Ce que tu as n'a pas été révélé à un prophète. Donc, pardon, tu n'as pas l'Évangile, tu me laisses. Point barre, on continue. Maintenant, voici ce que tu as venu mélanger dans le Coran. Je vais régler. Parce que moi, je ne suis pas... D'abord, je n'ai même pas lu le verset, mais je vais t'expliquer tout simplement. Voilà, c'est dans Isa alayhi salam qui fait un miracle. Et ce miracle-là, la Bible même n'en parle même pas. Parce que à la fin de l'évangile de Jean-Louis, il est clair. Jésus a fait encore plusieurs autres miracles qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Mais le Coran vient vous mentionner des miracles de Jésus, comme par exemple, il a parlé au berceau. Comme par exemple, il formait à partir de la glaise, comme la forme d'un oiseau, il soufflait dedans. Et par la permission d'Allah, ça devenait un oiseau. Il donnait vie. Ainsi de suite. Le Coran dit plein de miracles de Jésus qui ne figurent pas dans la Bible. Et je reviens ici pour te donner un enseignement clair. Ici, Jésus a fait un miracle. Les disciples sont venus lui dire... S'il est vraiment prophète de Dieu, il n'a qu'à faire un miracle. Il n'a qu'à faire descendre du ciel une table servie avec la nourriture, tout. Je prends un exemple ici. Hein. Je ne sais pas ce quelle nourriture ils ont mangé à l'instant qu'ils aimaient ce qui est descendu. Mais je prends un exemple. C'est comme ici, une table à manger qui est bien servie au paradis là-bas. Et puis, il y a, pour nous les Ivoiriens, il y a un bon garba avec un bon poisson thon dessus ou bien un bon riz gras, un truc. C'est-à-dire que bien servi où les gens sont prêts à manger là. Mais c'est au tout est réglé au ciel là-bas. Et puis Dieu fait descendre jusqu'à venir poser au milieu d'eux. Et puis ils vont manger ça avec Jésus. Là, ils vont croire que réellement, quand il leur dit que c'est-à-dire que le paradis existe et qu'il y a les délices, il y a tout là-bas, là, ils vont croire qu'il y a une autre vie après ici. Il n'a qu'à faire descendre ça du ciel si Dieu existe. Voici le miracle qu'ils ont demandé. Jésus va leur dire d'abord, craignez Allah. Soyez des croyants. Ça, Jésus va leur dire d'abord, craignez Allah. Mais ce qui est grave, il dit, craignez Allah si vous êtes croyant. Tu es rentré dans le Coran pour lire ce verset pour sortir. Mais toi-même, tu ne crains pas Allah. Alors que Jésus te dit de craindre Allah si tu es croyant.
Et il continue maintenant. Il va dire, ho oh Allah, notre c'est Seigneur, pas, c'est s'il Dieu, te non? plaît, il ne faut pas m'interrompre, s'il te plaît. Il va dire, ho oh Allah, il va dire, ho oh Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Donc Jésus est clair, tel que j'expliquais à Namo, c'est une table servie qu'Allah devait faire descendre du ciel pour nous poser au milieu d'eux. Ça, c'est Allah même qui fait cette table-là. Ça fait un. Et regarde ce qui va se passer ici. Allah va dire, aidez, je le ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment douloureux, comme je n'ai jamais châtié quelqu'un, donc depuis dans tout l'univers, depuis le commencement du monde. Et aujourd'hui, je sais que le frère qui lit ce verset-là, malgré la vie, ce miracle dedans, il ne croit pas. Il est parmi ceux qu'Allah va châtier, sauf s'il s'est converti. Mais pour terminer ici, voici, regardez le miracle ici. Hein. Allah a fait descendre la table servie entre Jésus et les disciples. Ils ont mangé tout propre. Maintenant, le problème est le frère. Il va dans le livre, dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas Matthieu seul. Il y a les autres évangélistes qui ont donné la même histoire. Le dernier repas que Jésus a pris avec les disciples. Ce dernier repas a quoi avec le miracle ici de la table servie, la table qui est descendue du paradis. Ça, c'est un miracle. Pendant que l'autre verset que tu es en train de citer là, c'est Jésus même qui envoie les disciples chez un autre, ils n'ont qu'à aller préparer la nourriture, pour la dernière nourriture qu'il va manger avec eux. C'est eux-mêmes qui sont allés préparer cette nourriture, faire cette table-là tout tout, des êtres humains, et puis Jésus est venu s'asseoir pour manger avec eux en famille une dernière fois. Ça a quoi à voir avec une table qui est descendue du ciel, un miracle. Jésus a nourri, il a pris combien de pain et combien de poissons dans le désert pour nourrir plus de 5 000 à 6 000 personnes dans le désert dans la Bible. Cette nourriture était descendue d'où? Ça, c'est un miracle, par exemple. Mais c'est la table dont tu parles. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous faites et puis vous bousillez l'esprit des gens. C'est-à-dire, vous désorientez les gens. Vous faites subir un remplacement de cerveau aux gens, ce qui est grave. L'évangile de Matthieu reprend le verset et puis il faut le lire. C'est Jésus même qui envoie les disciples aller préparer cette nourriture chez un autre et puis il va se cacher pour aller s'asseoir là-bas. Ils vont manger, il va prendre son dernier repas. Ça, c'est quelque chose qui a été préparé ici par l'être humain sur la terre. Ça a quoi à voir avec le miracle que Allah a fait descendre la table servie du ciel? Ça fait un. Deuxièmement, dans le Coran, c'est écrit où? C'est écrit où? Que quand Allah a fait descendre cette table servie et la nourriture là, en haut de cette table là, quelqu'un a mangé la chair et puis le sang de Jésus. C'est écrit où dans le verset ici? Pourquoi vous mentez comme ça? Tu dis, tu as monté dans le verset où Jésus a donné son sang, sa chair, où les gens ont mangé. Ça n'existe pas dans le verset. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Ça marche pas avec nous, hein? On est là, c'est pour démasquer tout. Toutes vos histoires, ces mensonges-là, c'est pour démasquer tout. Et puis, il est temps maintenant que les gens ouvrent les yeux. Prends le verset biblique et puis lis. Et puis, si c'est la même chose comme le verset coranique, tu vas me dire. Est-ce que c'est qu'ils ont... la parole. Tu as la parole. Dis-moi, la table que Jésus a mangée dans Matthieu, là, sur la table qu'il a mangée, est-ce que c'était descendu du ciel? Réponds à ma question. La table n'est pas descendue du ciel. Alors, mais tu veux quoi? Il dit là-bas, prenez et mangez ceci et mon corps. Ce qu'il prend pour donner là. Il a dit ça ici dans le Coran. Il sanctifie, il met ça dans son corps pour répondre à ce qui est écrit dans. Est-ce que tu as vu dans le Coran manger mon corps? Où il dit aux Juifs, c'est lui qui mangeait mon corps et boit mon sang. Est-ce que c'est écrit dans le Coran ici? C'est écrit dans le Coran, manger mon cher. Les Juifs même demandaient. C'est pas mon problème. Tout ça, c'est du n'importe quoi, mon frère. C'est pas mon problème. C'est le verset coranique là. Est-ce que c'est écrit dans le verset ici? Quand il était assis sur cette table qui est descendue du ciel là, il a dit à quelqu'un, manger mon cher et mon sang. Est-ce que tu as vu ici? Ma question est claire. Est-ce que c'est écrit? C'est comme ça que vous faites pour embrouiller les gens. Vous partez mentir aux gens. Il y a ceci qui est écrit dans votre Coran. Vous pensez que le Coran est venu pour... Le Coran est venu corriger tous ces mensonges qui sont dans la Bible. Le Coran n'est pas n'importe quel livre. Hein? Donne-moi la parole. Mais c'est un échange qu'on est en train de faire. Depuis mon temps de parole là-bas, il t'avait dit qu'on allait faire maintenant un échange, un truc. Donc maintenant, tu peux, si tu as des questions, tu les poses directement. C'est un échange qu'on est en train de faire. Donc ce n'est écrit nullement dans la Bible. J'ai une question. Oui, pose la question. Je veux la date de la révélation du Saint-Coran. Tu veux faire quoi avec? Non, c'est une question, non. La révélation du Saint-Coran, les années 609 à 610. En 610? Oui. Dieu merci. Oui, je t'écoute. À Jérusalem ou bien à la Mecque? À la Mecque. Merci beaucoup, mon frère. Mm-hmm. Oui, c'était pourquoi? Jésus a eu combien d'années avant de repartir?
33 ans. De 33 ans à 610 là, il y a eu combien de Jésus? Puisque le Jésus que le Saint-Coran parle là, vous transformez ça comme des faits nouveaux. Ce que le Coran parle intérieurement ce qui s'est passé à Jérusalem. Quand vous êtes là en train, le Coran vient à 610, pendant que Jésus, en l'an 34, il n'était plus sur terre. J'ai dit. En l'an 100, tous ses apôtres sont morts. En l'an 200, l'Église catholique commence à répandre avec la bonne nouvelle du royaume des cieux. La mauvaise nouvelle, oui. En l'an 400, en général, il y avait des églises. J'ai dit, la mauvaise nouvelle. En 622, le Coran vient et répand vers notre Jésus. C'est quel Jésus c'est? Le Coran est venu établir le véritable Jésus, l'envoyé et le prophète d'Allah sur la terre ici, qui a vécu en Israël. Mais pas le Jésus que vous avez fabriqué, monté en toutes pièces, sous prétexte qu'il avait mouru pour vos péchés sur la croix. Donc, ça n'a rien à voir. Le Coran vient pendant que Jésus n'est plus sur terre et lui, il voit Jésus manger avec ses apôtres. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Que Marie n'est plus sur terre et vous trouvez un autre mari qui va naître Jésus. Quand la Bible te parle de l'histoire de Noé et puis d'Abraham, là, est-ce que tu étais là-bas en ce moment? Mais ce n'est pas la Bible qui est en train de te raconter ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi tu fais deux poids, deux mesures? C'est Allah qui est en train de révéler au prophète. Le prophète Mohammed n'était pas là-bas. Le prophète Mohammed n'était pas là-bas, mais c'est Allah qui est là pour tout le temps. Là. Rien. C'est-à-dire que Allah qui est là, qui est présent à tout moment, là, c'est lui qui a révélé. Parce que ça s'est passé devant lui. C'est lui qui a révélé ça au prophète. Et c'est clair et net. Maintenant, moi, je reviens ici. Quand toi, tu prends ta Bible, tout ce que tu es en train de dire de l'histoire de Jésus, là, c'est archi faux. Parce que les quatre évangiles même qui parlent de la vie de Jésus, là, donne-moi le. D'abord, tu m'as posé la question, je t'ai répondu devant tout le monde. En quelle année le Coran est venu, non? Ok. Le premier évangile parmi les quatre, là, c'est lequel qui a été découvert? Le premier. Comme tu dis, tu es théologien. Entre les quatre, là, c'est celui pour qui a été découvert le premier? Tu as dit devant tout le monde ici que tu es théologien. Le premier, comment? Les premiers fragments parmi les quatre évangiles, là, c'est pour. Quel évangéliste qui a été découvert et en quelle langue parmi les quatre évangiles que tu as aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Les évangiles ont été découverts à plusieurs endroits. D'autres sont découverts à Qumran. Non, j'ai dit le premier évangile qui a été découvert parmi les quatre qui sont cités dans le Nouveau Testament, là, c'est lesquels? Pour qui? Pour Marc, pour Jean, pour Matthieu ou bien pour Luc? Je ne sais pas. Ok. Dieu merci. Ça, c'est l'évangile de Marc qui a été découvert vers les années 65, après que Paul ait fini ses épîtres vers les années 47. Ça, c'est déjà pour toi. Et l'évangile de Luc est venu, Matthieu est venu après vers les années 70. Après ça, Luc vers les années 80, en 80 et 90. Et après ça, Jean vers les années 100 et quelques là-bas. Donc, voici les quatre évangiles. Et puis, les quatre évangélistes là. Comme tu dis, tu es théologien, je répète encore, aucun évangéliste chrétien doté de toutes ses facultés mentales et aucun théologien ne te dira que parmi les quatre, là, il y a un qui avait été témoin oculaire de Jésus de son vivant pendant son ministère. Ce n'étaient pas les apôtres de Jésus, ceux qui ont écrit ces quatre évangiles-là. Ça fait deux. Troisièmement, je vais te dire, tu dis que tu es théologien, non? Donc, je vais te dire. Troisièmement, le Coran est venu à l'an 610, là. Le Coran est venu à l'an 610, mais il est tel que révélé jusqu'aujourd'hui, sans modification, sans rien, sans falsification. Contrairement à la Bible, tu ne peux plus me dire que la Bible est venue avant le Coran, parce que la Bible a été révisé, corrigé plusieurs fois après la descente du Coran. Pendant que le Coran vient et reste intact depuis 610, la Bible, même dans les années 1952, on a eu la version standard révisée et corrigée. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les versions révisées, corrigées, ça ne fait qu'au sortir. On ne fait que modifier, retirer des passages, ajouter des passages. Je me rappelle bien que le livre même d'Apocalypse a été accepté dans le Nouveau Testament lors du concile de Laodicée à l'an 363 de notre ère. Et c'était comme ça. Donc, je reviens ici tout simplement. Si c'est ça, il y a problème. Oui, il y a problème. Tu dis là, tu te contredis à la sourate 61, verset 14. Oui. Mon frère, fais attention. Dis-moi ce qui est écrit là-bas. Tu ne peux pas nous embrouiller. Fais attention. Il faut lire le verset. Comme tu dis, faut lire le verset. Oui, il me contredit là, tu as dit. Ça ne marche pas avec moi. Tu rentres dans le Coran, on va rentrer ensemble là-bas. Tu as fui pour ressortir toi-même. Ah, d'accord. Le Coran vient en 610. Et le Coran déclare ceci. Oh, c'est la sourate 61, verset 14. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar
de ce que Jésus-Christ de Marie a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crie, tandis qu'un autre groupe n'y a. Nous aidons donc ceux qui crient contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Allah aide ici les apôtres de Jésus à triompher. Et vous, vous venez dire que Paul et les autres ont fait. Donc, vous rendez Allah impuissant. Et d'abord, comment tu... Allah vient en 6... Non, attends, écoute-moi. Allah vient en 610. Pendant que tout était déjà écrit, il confirme que c'est lui qui a aidé tout, sans que personne ne vous remet le copie original de la Torah que vous êtes là. Quand ça ne vous arrange pas, le Coran, la Bible est falsifiée. Quand ça vous arrange, tel verset dit cela. Vous nous prenez comme quoi? En 610, ce n'est pas trop loin. J'ai dit, je te répète. Pour que le Coran vient dire s'il te plaît, redescends sur Daïs. Vous êtes aujourd'hui en train de dire ceci. Redescends, redescends. Il a aidé les apôtres de Jésus à triompher. Et, écoute-moi, et redescends ici, on va lire le verset. D'abord, il faut savoir quand le verset parle ici de ceux qui étaient au-dessus, de ceux qui ont mécru là. D'abord, ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui, ça fait un. Deuxièmement, Dieu merci, tu es d'accord que c'est les apôtres. Et tu pèses bien tes mots, les apôtres, ceux qui ont vu Jésus, qui ont cru avec eux. Moi, je n'ai pas discuté sur les apôtres, mais j'ai dit, les quatre évangélistes qui ont écrit là, ils n'étaient pas les apôtres de Jésus, sinon je sais que les apôtres ont existé. Mais les quatre évangélistes qui ont écrit là, c'est-à-dire que les quatre évangiles qui sont dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean là, c'était pas Matthieu apôtre de Jésus, sinon il y avait Matthieu apôtre de Jésus qui s'appelait Lévi, c'était un collecteur d'impôts. Dans Matthieu chapitre 9 verset 9, on parle de lui là-bas. Marc là, c'était pas apôtre de Jésus. Et la majorité, c'est pas nous musulmans, la majorité, tu dis que tu es théologien, donc je devais même pas t'expliquer ça, parce que tous les théologiens chrétiens sont d'accord que Marc là, sa généalogie même, on ne connaît pas, on ne sait même pas qui il était. Donc c'est une minorité parmi les théologiens chrétiens qui ont essayé d'attribuer son évangile à Jean, qui était apôtre de Jésus, donc qui n'a rien à voir avec truc. Maintenant, Luc, dans Luc chapitre 1, verset 1, Luc même était médecin, il était un disciple de Paul. Et Luc t'a dit que lui n'a jamais été témoin oculaire, il n'a jamais été disciple de Jésus. Lui, il a juste écouté des renseignements et puis il a voulu mettre aussi son histoire par écrit. Ça, c'est Luc qui dit dans Luc chapitre 1, verset 1. Jean encore, c'est la même chose. Donc, aucun d'entre eux n'a été témoin oculaire. L'évangile de Jean a été écrit par qui? Ça, c'est toi qui le dis. Mais toi, tu as étudié ta théologie là où même? Tu as étudié ta théologie là où? Attends. Ta théologie là, tu as étudié ça où? La Torah a ses témoins comme les livres des prophètes. Tu vas prendre quelqu'un comme Paul pour venir mettre ici là. Paul, un menteur comme ça? Un égaré? Paul qui vient contredire Jésus lui-même? Les 10 commandements là n'existent pas groupés. C'est pas mon problème. L'évangile a ses témoins comme les apôtres de Jésus. Ça te fait mal. Ça dit, je t'ai chicoté tellement. Du Saint-Coran. Voilà, quand l'argument des chrétiens finit, ça devient comme ça. Votre Coran aussi, c'est comme ça. C'était pas le thème. Je t'ai tellement chicoté que tu n'as plus d'argument. C'est tout simplement ce que tu peux faire maintenant. Vous-même, vous avez les indices que d'autres ont déclaré. Tu peux pas me montrer un seul verset pour dire que c'est la mort de Jésus sur la croix qui vient vous sauver. Les indices bien confirmés souvent, c'est que le Coran n'a pas dit. N'importe quoi. C'est-à-dire que tu es là. Ceux qui ont cru les hadiths là, vous savez où ils étaient. Bon, on va terminer avec le salut. Nous, on reçut le Saint-Esprit avant de partir. Un seul esprit, oui. On termine ici. On termine ici avec le salut. Le Dieu de la Torah et l'Évangile là, il ne fait rien sans témoin. Moïse a pris la Torah devant le peuple Israël, plus de 600 000 personnes. C'est ton problème, mon frère. Je reviens ici. Tout le monde a vu l'évangile de Jésus sur terre. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit aussi, dit quoi? C'est bien écrit là-bas. Tu dis l'évangile a fait quoi? Confirme ça. Tu dis l'évangile est venu, tout le monde a vu quoi? L'esprit de Dieu, dans l'esprit de feu. Attends. Il faut qu'il se revienne aussi dans le Coran. Le théologien, je vais te poser une question. Tu dis l'évangile est venu, tout le monde a vu? Tu as dit que l'évangile est venu, tout le monde a vu? Il faut répéter encore ta phrase, s'il te plaît. J'ai dit, ça ne marche pas, elle. Ça ne marche pas, elle. Tout le monde a vu ça le jour que l'évangile est venu parler dans les langues diverses. C'était le Pentecôte à Jérusalem où les apôtres étaient réunis. Vous voyez quelqu'un comme ça. Il ne vaut rien. L'évangile, il ne connaît rien, c'est juste avant. Je suis théologien. Il est venu en langue diverse. Voilà quelqu'un comme ça. Pierre a parlé dans une seule langue et tout le monde comprenait. C'est l'évangile qui est descendu sur les gens là-bas. Si vous ne connaissez pas, nous, on va vous montrer. C'est l'évangile qui est venu là-bas, qui est descendu sur les gens dans la chambre haute là.
Dans Luc chapitre 2, là, c'est l'évangile qui est venu là-bas. Dans Acte 2, là, c'est l'évangile. Tu ne connais rien, il faut te renseigner. Ce n'est même pas écrit évangile même. Sauf si c'est un lapsus. Sinon, ce n'est pas écrit évangile. L'évangile, c'est le don de la parole de J'ai Dieu dit, c'est à toutes les nations. C'est le temps dans lequel les apôtres devraient quitter Jérusalem. Et avant de quitter... Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est descendu sur les gens. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les gens, ou bien c'est l'évangile qui est descendu sur les gens. Le Saint-Esprit, c'est la parole qu'il a mis dans les cœurs. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les gens, ou bien c'est l'évangile qui est descendu sur les gens. Quand l'Esprit viendra, il vous rappellera de tout ce que vous avez enseigné. Il prendra de ce qui est à moi et il vous dira. Ça, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est pas ça, il n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Je te le dis, mais c'est pas le thème. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est même pas la peine d'embrouiller les gens. Ça dit, vous êtes nuls, en fait. C'est ça le problème. Mais vous ne voulez pas admettre. Chacun veut faire débat. Il veut avoir une triste renommée à travers la DDR. On a fait, j'ai fait débat. C'est tout. C'est juste une triste renommée que tu recherches. Sinon, tout ce que tu es en train de dire là, c'est archi faux. Et je dis, on est là. On va vous corriger. On va vous sommer. Tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament. Il n'y a pas une seule écriture. Il n'y a pas une seule écriture. Hey, tu es obligé de bavarder comme ça pour ne rien dire. Mais je dis et je répète à haute voix. Tu dis que tu es théologien. En tant que théologien, tu sais que tous les théologiens chrétiens qui t'ont précédé, les grands savants chrétiens, ont dit clairement que les quatre évangiles ne sont pas des disciples de Jésus. Ce sont des choses qui ont été écrites après. C'est pourquoi c'est plein d'erreurs et de contradictions. Matthieu te dit que les deux brigands ont insulté Jésus sur la croix. Luc te dit que c'est un seul qui l'a insulté. Ça, c'est une contradiction flagrante. Tu peux finir les contradictions dans le Coran. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Si tu veux, le prochain thème, ça sera sur ça, les contradictions du Coran et de la Bible. Si tu veux, ça sera le prochain thème. Faut de faire débat. Un thème. Ok, c'est déjà le thème, les contradictions du Coran et de la Bible. C'est déjà le thème. Ok. D'accord. Tu programmes le jour et tu me dis ça par écrit, je vais voir si ça me correspond. Il n'y a pas de souci. Ce jour-là, j'aurai le temps. Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai une dernière question à te poser et puis on va finir ici là. J'aimerais savoir, chez moi dans mon Coran, à partir de la sourate 43, à partir du verset 68 à 70, Allah il dit, tout musulman ira au paradis clairement. Est-ce que c'est écrit quelque part là-bas que vous les chrétiens, vous irez au paradis? Nous-mêmes, on n'ira pas au jugement. Votre paradis, vous allez passer par l'enfer, non? Dit, nous, vous, on ne passe même pas là-bas. Tu as dit, vous n'irez pas où? À la sourate 3, verset 55. Je ne te réponds pas les mêmes saints Coran. Tu as dit, vous n'irez pas où? Nous, on n'irait même pas au jugement. Tu es sûr? Pendant que vous allez passer en enfer pour être pesé dans les balances et Allah va décharger vos fardeaux là. Nous-mêmes, on n'ira pas là-bas. Le Coran nous déclare gagnant. La sourate 757 nous déclare gagnant. Okay. La sourate 622 nous déclare gagnant. La sourate 355 nous déclare gagnant. Ça, tout, c'est ton propre livre qui te tout, dit le tout, Saint-Coran. Tous ces versets que tu as pris, c'est archi faux. Et même la sourate 355 que tu as pris, je dis, on va vous coller comme ça. Ça parle de ceux, et puis les verbes sont conjugués à quel temps? Ça parle de ceux qui ont suivi Jésus de son vivant pendant son ministère. C'est pourquoi Allah est clair, nous élevâmes. Quand vous dites les choses, les gens qui ont suivi Jésus là, est-ce que toi tu étais au temps du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam? Je dis, tu es né là-bas, tu as vu le prophète. C'est ce mais que je les suis promesses en train de du dire. Paradis que Allah a écrit dans le Coran, je dis, vous attribuez de ça pour faire pour je te donne l'explication. Le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Ça devient un problème. Le prophète, ça, c'est quoi ça? J'ai dit le prophète, moi, c'est pas dit que tu es limité, tu ne veux pas comprendre. Le prophète Mohammed est le dernier prophète et c'est son évangile qui est l'évangile éternel qui va rester jusqu'à la fin du monde. Toi-même, tu es de sa communauté seulement, tu refuses, tu sors de la bergerie. Allah a été clair. Pour tous les êtres humains, il est venu. Sauf si toi, tu n'es pas un être humain, sauf si tu es un mouton. Tant que tu es un être humain, Mohammed est venu pour toi. Mais quant au verset de Jésus, là, sa porte est fermée, c'est fini. Lui, il est parti, là. Je ne t'insulte pas, je suis en train, j'ai été clair. J'ai dit, sauf. Si tu es un mouton. Mais si tu es un être humain, si Mohamed est venu pour toi, tu es un humain. Il n'y a pas d'injure ici. J'ai dit, sauf si tu es un mouton. Je n'ai pas dit que tu es un mouton. C'est français que je parle. Et j'ai dit, Jésus est parti, là, sa porte est fermée. Pourquoi quand Moïse, Jésus est venu après Moïse, la porte de Moïse était fermée? Il faut arrêter ça.
Mohammed, c'est le dernier prophète. Si un prophète devait venir après Mohammed, il allait fermer aussi la porte de Mohammed. Mais comme un prophète ne viendra plus, lui, sa porte reste ouverte. Maintenant, je reviens ici. Tu dis que vous ne serez pas jugés, vous les chrétiens. Je vais terminer là-bas. Tout le monde a entendu. Tu dis, vous les chrétiens, vous ne serez pas jugés. Mais regarde ce que Pierre va te dire, le farouche. Pierre qui a mangé, qui a marché, qui a bu avec Jésus. Pierre va te dire dans 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 17. Pierre dit, le moment est arrivé où le jugement commence. Et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. 1. Or, si le jugement débute par nous, il dit même par nous, c'est-à-dire eux, le peuple de Dieu, vous, c'est par vous que le jugement de Dieu va commencer. C'est ta Bible même qui est en train de dire, vous qui êtes le peuple de, qui dites que vous êtes le peuple de Dieu là. Il dit, le jugement commencera par vous. Et toi, tu dis devant les gens ici que vous ne partez même pas en jugement. C'est-à-dire, tu es nul dans la Bible et puis tu dis que tu es théologien. C'est bon. Ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Même pour récompenser, là, on va te juger. C'est une sentence irrévocable pour Allah. Vous allez passer en enfer. Et dit, c'est la récompense. Les hadiths disent que c'est le pont Al-Sira où les gens vont partir. C'est bon, c'est bon. C'est assez faux, puisque dans la Genèse, Abraham a été reçu par terre. Mon frère, je suis fatigué, c'est bon. Qui vivait sur terre et. Ça va. Donc, voici des gens comme ça. Et ça, comme j'ai dit là, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer le combat. Ils ne connaissent rien, ils ne font qu'embrouiller les gens, ils disent n'importe quoi, alors que rien, ils ne connaissent rien. On va les emmerder comme ça. Les gens vont connaître la vérité. Tous ceux qui ont les paupières de discernement qui dorment vont se réveiller, Inch'Allah. Je profite pour vous informer que les cours de théologie en religion comparée de la DDR débuteront le samedi à côté là, 6 mai. Pour tous ceux qui veulent apprendre les cours de théologie en religion comparée, c'est l'occasion. Donc, nous faisons les cours en ligne, quel que soit le pays où tu es et tout, nous faisons les cours en ligne. C'est une école normale de théologie et nous faisons les cours depuis le premier niveau jusqu'à un dernier niveau, voilà, où chacun sera évalué et tout, aller de niveau en niveau jusqu'à l'obtention même d'un certificat ou d'un diplôme ou autre. En tout cas, c'est une belle formation, c'est plein, c'est-à-dire que c'est une richesse spirituelle. Nous dépensons dans n'importe quoi, nous dépensons le temps et nous perdons notre temps dans n'importe quoi. Ici, là, c'est l'occasion pour vous d'apprendre la religion d'Allah. Donc, pour tous ceux qui veulent faire les cours en ligne de la théologie en religion comparée, peuvent me contacter sur le 07 09 01 93 47. Je répète, plus 225 07 09 01 93 47. Plus 225 07 09 01 93 47 pour tous ceux qui veulent faire les cours de théologie en religion comparée. Et aujourd'hui encore, j'ai publié quelque chose sur ma page. J'ai lancé un nouveau challenge et un nouveau défi que nous, musulmans, nous devons relever, ce qui est très important. Je ne demande pas de l'argent, je demande à ce que tous ceux qui peuvent nous aider, mais il faudrait que la DDR Bagui puisse atteindre ses 100 000 abonnés en un rien de temps. C'est un challenge et c'est un défi que nous devons relever. Nous pouvons parce que nous sommes croyants, nous sommes musulmans et on le fera pour la cause d'Allah. On va inviter les gens à s'abonner à la page DDR Bagui, on va partager la page DDR Bagui, on va lutter pour que les 100 000 abonnés soient complets sur cette page-là afin que les gens viennent puiser la connaissance, les gens viennent, c'est-à-dire que s'instruire, les gens viennent s'imprégner donc de la connaissance divine. C'est très important. Et ça sera votre part de dawa. Nous, à qui Allah a facilité un peu de connaissance, nous venons ici pour donner de notre temps et d'un peu de tout de nous. Et vous, vous êtes derrière l'écran. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous aider à ce qu'il y ait plus d'abonnés. Il y a des gens ici qui ont un peu de moyens qui peuvent booster la page pour nous. Je ne demande pas à ce qu'ils nous donnent 5 francs personnellement. S'ils veulent nous aider à booster la page, c'est en ligne qu'on le fait. C'est vrai, certes, c'est payant. Même avec 10 000, 5 000, vous pouvez nous aider à booster la page, mais il faudrait qu'on ait les 100 000 abonnés. La DDR Bagui mérite cela. Et ce que nous divulguons ici, la connaissance que nous donnons ici, les enseignements clairs qui sont ici, ne soyez pas les seuls à profiter de cela. Car le prophète alayhi salatu salam nous dit, il dit, vous n'aurez pas la foi parfaite tant que vous ne désirez pas pour vos frères ce que vous désirez pour vous-même. Alors, partagez, il faudrait que nous ayons les 100 000 abonnés, il faudrait que ce défi soit relevé. C'est un challenge. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont suivis, qu'Allah nous aide et qu'il nous accorde vraiment sa bonté et sa miséricorde. Salam alaikum.